Bonjour, bienvenue sur ma chaîne SDA Group. Nous sommes dans notre ferme et j'ai envie de faire une petite vidéo pour aider nos frères et sœurs qui veulent investir dans l'agriculture également. Comment sécuriser ton champ, comment sécuriser votre champ agricole après l'avoir acheté? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, surtout nous qui sommes dans la diaspora, les gens achètent les terrains mais ils n'ont pas les moyens directement pour exploiter ce terrain. Et après des années ou bien après un temps, on voit que le terrain est revendu à une autre personne. Et ça amène des problèmes. Donc, comment sécuriser un terrain quand on l'achète? Moi, je vais vous donner mon exemple, ce que moi j'ai fait à mon niveau. Si tu achètes un terrain agricole, c'est pour l'agriculture, c'est effectivement, et l'élevage. Et des fois, après l'achat, on n'a pas les moyens pour exploiter ton terrain. Maintenant, quand ce cas se présente, tu dois poser certains garde-fous pour pouvoir protéger ton champ, sinon on peut le prendre parce que il y a des autochtones, après un temps, quand ne voit personne sur ce terrain, ils peuvent revendre ce terrain. Donc il faut marquer ta présence sur ce terrain. C'est très important de marquer sa présence sur un terrain qu'on l'achète. Il y a plusieurs manières de le faire. Des fois, les gens le font avec des champs de palmiers. Ici, nous avons, vous pouvez voir sur notre champ, on a des palmiers, mais ces palmiers, on ne les a pas plantés. C'était sur le champ avant qu'on l'achète et on a payé pour ça. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser comme exemple, mais les gens font également cela. Ils mettent le palmier en attendant pour faire la clôture du champ ou bien ils mettent une partie sur le champ pour que les gens sachent que le terrain est occupé. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire également les écureuils. Je vais vous montrer ce que nous on a fait à notre niveau. Notre terrain ici, nous avons 3 hectares de teck ici. Donc c'est ce qu'on avait fait quand on avait acheté le terrain, on avait le projet d'élevage et d'agriculture, mais on n'avait pas les moyens, on n'était pas prêt pour faire l'élevage et l'agriculture. Donc on avait mis le teck sur une partie du terrain et on avait mis sur une partie du terrain et on avait pris aussi le teck pour faire la clôture du terrain. Donc quand toi tu viens pour acheter ce terrain et tu vois qu'il y a le teck, tu sais que le terrain est déjà occupé. Donc ça amène une suspicion et tu vas te poser plusieurs questions. Donc ça va sécuriser ton terrain. Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est le titre foncier. Il faut tout faire pour avoir ton titre foncier. Il faut tout faire pour avoir ton titre foncier. C'est très important également. Oui. Je vais dire dans nos pays, et au Togo ici, je pense que c'est le dernier papier qui atteint de la propriété du terrain. Tu dois le faire. À part le titre foncier aussi, si tu peux, les gens le font également dans les zones reculées. Si tu peux voir quelqu'un qui peut avoir une petite parcelle de ton terrain, l'exploiter en attendant que toi-même tu as les moyens de le prendre aussi, c'est très important aussi. Donc, ces petites astuces, il faut le faire. Tu n'achètes pas un terrain et tu vas aller dormir, dire que le terrain t'attend. Un jour, tu seras déçu parce que le terrain sera occupé par une personne. Donc, il faut marquer ta présence sur ton terrain. C'est très important. Quand tu achètes un terrain agricole, il faut faire tout pour marquer ta présence. Parce que si tu ne fais pas, tu vas perdre ce terrain facilement. Et c'est dommage. Donc, vous savez, il y a des malhonnêtes un peu partout. Et ils vont profiter. Quand tu ne viens pas, ils vont essayer de profiter de ton terrain. Donc, ce sont ces petites astuces qu'on peut faire également quand on achète un terrain pour pouvoir protéger ce terrain. C'est ce que nous, on a fait à notre niveau. Vous pouvez voir, nous avons 3 hectares de teck là-bas. Et on a pris de teck pour faire la coquille. Vous pouvez voir, il y a la route qui passe de l'autre côté. Et il y a le teck qui fait frontière avec la route tout au long du terrain jusqu'au-delà. Et c'est ce qu'on a fait à notre niveau. Donc, l'avantage aussi de faire ce que je vous dis de faire, c'est que non seulement le teck qui est ici atteste de ta présence sur le terrain, également le teck va te donner de la valeur. Après des années, tu peux le couper pour vendre ou bien l'utiliser. Nous, ça nous a beaucoup arrangé quand nous construisons notre. Nos maisons, nos enclos et sur la ferme, on s'est servi ici. On s'est servi directement sur notre champ. On s'est servi directement sur notre champ. Ça nous a beaucoup aidé. Ça a réduit considérablement le coût de la construction chez nous. Donc, ces petites astuces sont importantes.
et même, comme je parle des palmiers aussi, les palmiers aussi, vous pouvez vous en servir le jour où vous voulez. Il y a des palmes que vous pouvez vendre. Vous pouvez faire du vin de palme également. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire également. Donc, si vous achetez un terrain et vous marquez votre présence, vous allez gagner doublement. Ça permet à ce que personne ne touche à votre terrain. Ça, c'est un, ça vous arrange parce qu'on sait que le terrain est occupé. Et en plus, le jour où vous voulez, ce que vous avez mis pour occuper le terrain, vous pouvez en tirer profit également. Le tech, vous pouvez tirer profit du tech. Les palmiers, vous pouvez tirer profit des palmiers. Il y a des gens qui font aussi les manguiers, les orangers, les citronniers. Donc, il faut faire un truc comme ça. Et sur une partie, bien sûr, la clôture pour marquer votre présence. Vous devez marquer votre présence sur votre terrain. Et sans oublier le titre foncier, c'est vraiment important. Vous pouvez marquer votre présence avec ces arbres et autres. Mais le titre foncier, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas travailler comme ça et ne pas sécuriser votre terrain. Vous devez sécuriser votre terrain. C'est très important. Vous pouvez prendre un exemple sur nous. Moi, je dis toujours, je dis ce que je fais pour inciter des gens à faire comme moi. Et j'apprends aussi également de vous. Sur notre chaîne SDODA Group, c'est une chaîne du donner, du recevoir. On apprend de vous, vous apprenez de nous. Parce que notre objectif principal, c'est de développer notre continent, l'Afrique, et le Togo en particulier. À la prochaine.